Dans un communiqué ce 9 avril 2022, les cinq représentants du général Khalifa Haftar au sein de la commission militaire mixte 5+5 ont annoncé la suspension de leur participation au processus de paix en Libye. Ils ont conseillé aux leaders de l'Est libyen d'arrêter les exportations de pétrole, de fermer la route côtière reliant la région orientale à la région occidentale et de suspendre les vols entre les deux régions. Selon eux, l'arrêt de leur coopération avec le gouvernement d'Union nationale se justifie par des violations des droits de l'homme et de l'accord de paix dont ils accusent le Premier ministre Abdelhamid Beba. S'exprimant sur sa page Facebook au titre de président de l'Assemblée des représentants du peuple, dissoute le 30 mars 2022, le chef du parti ENADA, Rachid Hanouchi, a rejeté la décision du président Kais Saied. Dans son communiqué cité par des médias locaux le 10 avril 2022, il juge l'ordonnance du chef de l'État nulle et non avenue, dénonçant également des poursuites contre des députés. Selon Rachid Hanouchi, la Tunisie traverse la pire crise politique et sociale de son histoire. Crise qui pourrait exclure le pays de l'espace démocratique qu'il occupe depuis la révolution de 2010. Le retour des précipitations a permis de sauver 50% des produits agricoles d'automne dans la province de Sefrou au Maroc. La superficie réalisée en culture d'automne dans cette localité s'élève à 64 650 hectares. Il s'agit de 45 500 hectares de céréales en phase de remplissage des épis avec 88% de la surface dans un état favorable à bon. Dans le même temps, les autorités provinciales annoncent une réalisation de 25% du programme des cultures de printemps. En Algérie, un risque de pénurie de médicaments menace les hôpitaux, une situation qui découle de l'incapacité de la pharmacie centrale des hôpitaux. La PCH a renouvelé ses stocks. Ainsi, 447 médicaments sur 552 produits enregistrés, toutes aires thérapeutiques confondues, attribués le 7 avril 2022 sont infructueux, soit un taux d'infructuosité évalué à 80%. La PCH, qui a pour mission l'approvisionnement et la distribution des médicaments aux établissements de santé, révèle n'avoir jamais été confrontée à un si grand nombre de médicaments infructueux. Mustapha Hadoud, vice-président du Zamalek Sporting Club, a démissionné de son poste lors de la session d'urgence tenue par le conseil administratif de la formation sportive le 9 avril 2022. Cette démission intervient à la suite d'un incident qui s'est produit lorsque le Zamalek Handball a perdu en finale de la Coupe d'Égypte de la discipline face au Sporting Club d'Alexandrie sur un score de 33 à 30 le 8 avril 2022. Un revers qu'a essuyé le Zamalek Handball, tenant du titre national et favori du championnat, d'après des observateurs égyptiens.